Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les participants difficiles en formation. L'objectif est de reconnaître et de se familiariser avec des techniques pour mieux gérer les participants difficiles lors des formations. Parmi les raisons pour lesquelles il y a des participants difficiles durant les formations, il y a que les participants n'adhèrent pas aux objectifs de la formation, que les participants ressentent de l'insécurité ou hésitent à s'exprimer en groupe, et que les participants ne perçoivent pas l'utilité et la pertinence des techniques d'enseignement. Maintenant, nous allons voir différents types de participants difficiles et se familiariser avec des techniques pour mieux les gérer. Premièrement, le participant qui intimide le reste du groupe. Avec ce type de participant, il faut valoriser les interventions des autres, revenir sur les règles de conduite et ramener une question au groupe. Deuxièmement, le participant qui monopolise la conversation. Avec ce type de participant, il faut inviter tous les membres à exprimer leur opinion et limiter le temps pour les discussions. Troisièmement, le participant qui hésite à s'exprimer. Avec ce type de participant, il faut lui poser des questions faciles et ne pas l'oublier. Quatrièmement, le participant qui s'oppose facilement. Avec ce type de participant, il faut accepter ses remarques et ne pas entrer dans son jeu et le prendre à part pendant la pause pour comprendre ses raisons de s'opposer afin de faire une intervention appropriée. Cinquièmement, le participant qui s'éloigne fréquemment du sujet. Avec ce type de participant, il faut utiliser le plan ou l'ordre du jour et y revenir fréquemment. Sixièmement, les participants qui se querellent. Avec ce type de participant, il faut revenir sur les règles de conduite pour encadrer les échanges et demander de traiter les sujets qui entraînent des différends en dehors de la formation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.